Bonjour. En ce mois de février, nous avons embauché une personne qui travaille en alternance pour nous faire un diagnostic de notre club qui n'existe pas encore, des 16, on va dire 16-20 ans, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes dans l'entrée à l'âge adulte. À Saint-Arnoult, nous avons la chance d'avoir nombre d'infrastructures qui accompagnent nos jeunes du début de la vie, avec la crèche, avec la halte garderie, jusqu'au club 11-15. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires en septembre 2012, le club 11-15 ne comptait que 4 inscrits, il ne fonctionnait pas, et nous l'avons en 2 ans relancé. Aujourd'hui, début 2017, il compte 53 adhérents, donc c'est un club qui fonctionne très bien. Depuis 2012, on a dans l'équipe cette réflexion, c'est que fait-on après 15 ans à Saint-Arnoult-en-Yvelines? C'est la grande question, puisque nous n'avons aucune offre à proposer à nos jeunes adultes ou grands adolescents. C'est donc tout le sens de la réflexion qui va être menée jusqu'en septembre, c'est de faire un diagnostic sur notre commune pour pouvoir lancer une proposition avec une difficulté quand même, c'est une difficulté récurrente sur la commune, le manque de locaux communaux. Je suis régulièrement sollicité par telle ou telle association, infrastructure, pour pouvoir utiliser un local communal, et ça aujourd'hui nous en manquons très nettement. Malgré ça, il faut qu'on en avance et qu'on puisse accompagner nos jeunes. On ne peut pas les laisser, pour certains d'entre eux, traîner dans la rue, un petit peu désœuvrés. Et donc il faut qu'on arrive à les accompagner dans la durée. Et je dirais même plus, il faut que l'on monte autour d'eux un réseau qui fonctionne de manière permanente, que ce soit avec les représentants du collège, avec les représentants du club 11-15, avec les représentants associatifs, les représentants de la commune, de la gendarmerie également. C'est un réseau complet des affaires sociales du département. C'est un réseau complet qui doit fonctionner, communiquer, pour être en capacité d'échanger des informations et surtout d'accompagner au mieux chacun des jeunes qui pourraient nous solliciter. Voilà un petit peu les objectifs que l'on peut commencer à tracer. On va donc avoir ce diagnostic, j'espère d'ici fin septembre, pour pouvoir ensuite démarrer ce club, ou en tout cas cette structure des 16-20 ans. Cette année, j'ai demandé à la Maison Les Atrioles Aragon de nous accompagner une nouvelle fois dans la mise en place de la poésie dans la ville. C'est quelque chose que vous appréciez beaucoup, et plutôt que de le faire une fois tous les 2 ou 3 ans, eh bien on va essayer de le faire à un rythme plus élevé, parce que ça anime notre commune, et puis je crois qu'on a beaucoup besoin d'accompagner les littéraires qui sont un petit peu oubliés. On est maintenant dans un système où c'est la structure, les structures S dans les lycées qui sont les plus favorisées, et qui, bien sûr, sont très utiles, mais les littéraires rapportent beaucoup à la société, et Saint-Arnoult est une ville en poésie, vous le savez, nous avons le label depuis plusieurs années, et donc il faut aussi encourager tous les Français, tous les Arnolfiens et Arnolfiennes à découvrir ou redécouvrir la littérature, et notamment la poésie, puisqu'il s'agit là de poésie. Enfin, je terminerai par notre cinéma Le Cratère, le cinéma qui a battu un nouveau record d'entrée l'année dernière. Ça, je suis très fier et très heureux de tout le travail que fait notre équipe municipale, car le cinéma Le Cratère, c'est un cinéma municipal. Il a pu obtenir ses résultats grâce à tous les investissements en infrastructure que nous avons faits depuis septembre 2012, que ce soit le changement du projecteur. Je rappelle, ce projecteur, c'est le même que celui qu'il y a au cinéma Le Rex à Paris. Nous avons changé l'écran, nous avons changé au mois de septembre les sièges, nous avons mis en place des affiches sur la devanture. On a un vrai cinéma vu de l'extérieur, ce n'était pas le cas en fin 2012. Nous avons maintenant un hall qui est nettement plus accueillant,
festif. Et puis, nous continuerons à investir dans les infrastructures de ce cinéma. Il y a aussi l'aspect pour les personnes à mobilité réduite, puisque la porte coulissante, la porte a été changée, il y a un accès accessible. Il reste un point qui m'a été signalé sur les portes battantes, donc on aura à travailler là-dessus. Le deuxième aspect qui permet à notre cinéma d'obtenir ses résultats, c'est la programmation. Très belle programmation, même si nous n'avons qu'une seule salle. Beaucoup d'habitants aux alentours découvrent encore ce cinéma. Ils n'imaginaient pas qu'on puisse avoir à Saint-Arnoult-en-Yvelines la plus belle salle de cinéma du CDV. Voilà. Merci beaucoup et puis bon mois de février. Au revoir.